Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et aujourd'hui, on se retrouve pour du Mario Kart. Et bonjour à toutes et à tous, c'est The Vosgien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point Vosgien spécial. Ce ne sera pas du tout un mois, mais ce sera le spécial Mario Kart 8. Donc un point Vosgien où c'est que je vous parlerai pas du tout de Mario Kart 8. Ah lol. Bah si, en fait, pour vous expliquer 2-3 trucs sur la chaîne et par rapport à Mario Kart 8 aussi. Alors, tout d'abord pour ma chaîne, un petit peu sur pause en ce moment, tout simplement parce que c'est le moment du bac, hein, là dans 10 jours, hein, c'est le petit bac. Donc je dors un petit peu quand même, c'est pas le vrai, c'est le, vous voyez les anticipes, on va dire ça comme ça, le français, donc faut que j'apprenne quand même un petit peu les lectures analytiques, donc voilà. Mais bon bref, c'était pour vous dire que demain, il y aura la sortie de Mario Kart 8, donc il sera forcément acheté. Il y aura des vidéos hein, dessus, pas avec mon... comment ça s'appelle ? Pas avec ma... avec mon appareil photo, mais avec tout simplement la chaîne Mario Kart qui nous permettra de regarder les belles actions qu'on a fait. Donc je pourrais vous envoyer les belles actions que j'ai faites, les courses il me semble, je ne suis pas sûr, ou contre la montre, mais bon, je pourrais vous en envoyer une de temps en temps comme ça. Donc, par exemple, pendant le moment du bac, je vais pouvoir un petit peu vous envoyer ça et puis commenter par au-dessus, histoire de vous rendre quelque chose assez rapidement, hein, comme ça, là ça fait un petit peu rapidement, vu que je suis en pleine période de bac. J'essaierai de vous envoyer aussi un épisode du KTH. Bon voilà, donc alors pour vous dire, Mario Kart 8, il y a quoi de nouveau dedans? C'est HD. Franchement là, vous voyez les images en même temps que moi, normalement là je regarde les images en même temps que vous, hein, là j'ai la petite tic mue. Ouais, franchement elles sont énormes, là on voit le train qui bouge et tout, c'est... voilà quoi, j'ai envie de dire, je crois que c'est un des Mario Kart qui sera les plus réussis, donc pourquoi? Il y a l'antigravité, donc on va pouvoir marcher, rouler sur des murs, donc des villes entières où c'est qu'on pourra rouler sur des murs et tout, des champignons. Franchement ça va être génial, hein. Donc voilà, on voit la date de sortie, non je suis pas sûr si... ouais il y a ça, le 30 mai 2014, donc voilà. Donc les nouveautés, personnages, donc il y a tous les sbires de Bowser, je sais pas si on va en voir un à l'écran tout de suite. Hop, bah voilà, on l'a un. Donc voilà les nouveaux sbires de Bowser. Ensuite, il y a le super klaxon en objet qui permet de pouvoir un petit peu faire une onde de choc, on va dire ça comme ça. Il y a la Flora Piranha qui attaque tout ce qui va sur le passage, même les pots de banane, c'est frais. Il y aura aussi, bah là vous voyez le klaxon à l'écran. Il y aura aussi le grand 8, donc c'est 8 objets. Il y a le boomerang, celui que vous venez de voir justement. Et puis il me semble que c'est tout. C'est déjà bien. Au pire, je regarderai puis je vous dirai si jamais j'en vois. Là. Donc ensuite, quand on est dans le mode anti-gravité, donc faut passer une ligne bleue, un peu comme à la manière des deltaplanes que vous voyez, et ben vous passez une ligne bleue, vous êtes en anti-gravité et vous pouvez faire des autres choses. Quand vous rentrez dedans, ça vous donne de la vitesse, alors que quand vous rentrez dedans dans le jeu sans anti-gravité, c'est un petit peu chelou, hein. Donc je sais pas si vous verrez, mais quand vous rentrez dedans, c'est un petit tourbillon, un truc comme ça. Essayez de regarder dans la vidéo, il y a un moment c'est obligé que ça marche, parce que voilà. Donc ensuite, je crois que je vous ai fait un petit peu près tout le tour, donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu les images du jeu. Donc voilà, regardez quand même la route arc-en-ciel, là c'est où c'est qu'on peut rouler sur les murs de la ville, là c'est un piano, c'est que quand on roule dessus, ça fait du bruit, voilà, là le mode anti-gravité, hein. On peut aussi rouler dans l'eau, comme dans Mario Kart 7, et aussi il y a plein de voitures, plein de sortes de voitures, on peut faire vraiment plein de choses qui seront superbement géniales. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Donc c'était un petit point Vosgien de 5 minutes, juste pour vous dire ceci. Allez, moi je vous fais ma foi plein de petits bisous et peut-être pas pour le 30 rendez-vous, mais en tout cas je vous dis rendez-vous pour quelque chose de grand, hein, un Mario Kart 8. Ah aussi un dernier personnage, Bébé Harmony et Peach en or rose, voilà. En acier rose. Donc voilà, allez, salut, bisous.